Après des études de journalisme, elle présente en voix off les actualités. En 1969, sur l'ORTF, elle est speakerine à la télévision régionale de Rouen. Puis au début des années 70 comme remplaçante d'été sur la première chaîne de l'ORTF. Elle présente sa toute première émission en 1979, Chocolat du dimanche, diffusée le dimanche après-midi sur Antenne 2. Puis ce sera à nous deux, en 1983, avec le futur présentateur vedette du journal de 20h de TF1, Patrick Poivre d'Arvor. Puis en 1987, elle quitte Antenne 2 pour FR3, où elle présente le soir 3, le journal télévisé de la nuit. Un poste qu'elle assumera jusqu'en janvier 1989. Elle était connue pour avoir été proche des téléspectateurs. Lorsqu'elle est partie de FR3, certains ont même demandé son retour. Depuis, elle anime et réalise de grands entretiens avec des personnalités du monde politique, cinématographique, tout comme Richard Tripot, qui présentait à la même époque les flashs de l'après-midi. Elle réalisera par la suite de grands documentaires pour WNYC, une chaîne de télévision américaine.